Bah, quand j'ai su la disparition de Hamid, ça m'a vraiment émue. Je n'ai pas été choquée, j'ai été émue. Parce que l'écrivain, le conteur, l'artiste, ne meurt jamais. Mais on ne le verra pas, on ne le verra plus. C'était ce grand enfant qui racontait des blagues, qui était subtil, qui était jovial, qui était heureux de vivre. Il aimait vivre, il aimait la vie. Et il partageait ce plaisir de la vie. Il l'a su le donner aux enfants quand il leur racontait, quand il leur narrait un conte. Je l'avais vu narrer pour la première fois au festival du livre jeunesse. Les enfants étaient captivés. Et en plus, il avait une subtilité extraordinaire. C'était ses petits accents oranais qui lui donnaient un plus, qui le valorisaient. Hamid l'homme. Hamid l'homme, c'était un homme généreux, ouvert, tolérant, qui était accessible, qui n'était pas hautain, qui était simple. C'était aussi l'homme orchestre, parce qu'il était artiste, il faisait du théâtre, il faisait le guignol, il faisait le sérieux. Quand il était sérieux, il avait des analyses, mais on le prenait quand même au sérieux, même quand il ne faisait pas le sérieux. Hamid, le journaliste. Le journaliste, c'était une belle plume. Vous l'avez déjà eu à la 3? Oui, il est passé quelque temps à la 3. Bon, je n'ai pas travaillé avec lui, mais on s'est croisés. Voilà. Qu'est-ce que vous gardez de son œuvre, de son travail, de son écriture? La jeunesse. La jeunesse, l'éternelle jeunesse. Et l'artiste ne meurt jamais encore une fois, je le dis. Il est en nous. Et c'est vrai, c'est un moment de peine, mais c'est aussi un moment de plénitude, parce qu'il aura laissé quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? C'est ce sillon qu'on trace pour les autres, pour les enfants, pour ses enfants, pour les autres, pour les générations qui vont venir. Parce que son livre, ses livres seront encore une fois lus et relus. Et on entrera dans son esprit qui ouvre des perspectives. Docteur Larbi, vous êtes auteur, vous êtes écrivain. Vous êtes un homme sensible à l'écriture. Vous êtes un homme sensible au talent. Aujourd'hui, nous perdons une des plumes les plus remarquables de notre littérature. Que gardez-vous de Hamid Skif? Je suis très ému. Donc, après ce que je viens d'entendre, j'éprouve beaucoup de difficultés à trouver mes mots. Moi, j'ai connu Hamid très peu de temps et je le regrette parce que je suis arrivé un petit peu trop tard. Mais les rares fois où je l'ai rencontré, ça a été un plaisir extraordinaire. J'ai eu le bonheur de lire ses textes en public. Donc j'ai eu l'occasion d'étudier la langue qui était donc son art. C'est tout simplement quelque chose de très très fort, très très fort. Et quand on le lit, moi, c'est ce qui m'avait frappé, quand on le lit avec les thématiques qu'il abordait, et lorsqu'on rencontrait l'homme, on se disait, mais c'est pas lui, c'est autre chose, parce qu'il se prenait jamais au sérieux. Un jour, je me souviens, on s'était rencontrés à la foire, donc au Salon du Livre ici, et puis quelqu'un m'a dit, ah bravo, vous êtes écrivain. J'ai dit non, je ne suis pas écrivain, Hamid est écrivain parce qu'il se tenait juste à côté de moi. Et il a eu ce geste que seuls les seigneurs peuvent sortir comme ça. Hamid a toujours été très, très humble, très modeste. Oui. Il ne le dit jamais d'ailleurs. Tout à fait. Et il m'a dit, tu sais, nous sommes tous des seigneurs à partir du moment où nous racontons des histoires. Donc, raconter une histoire, ça, ce n'était pas à la portée. Il adorait raconter, d'ailleurs. Raconter des histoires, on vient de le dire, je viens de l'entendre. Et donc, j'approuve. Les narrateurs ne sont pas légion chez nous. Mais il est parti, donc sa dépouille, il ne sera plus là, il ne va plus nous enchanter avec sa voix qui portait loin. Mais là, moi, ce que je vois, juste en face de moi, il y a le soleil. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux parce que il faisait gris tout à l'heure, maintenant il y a un soleil parce que nous l'attendons. Hamid doit être quelque part là-bas. Oui. Et puis donc on le salue. On le salue et on lui dit on t'a aimé, on t'aimera encore.
Et tes écrits vont être le plus beau cadeau que tu aies pu faire à ce pays, à cette société, à cette jeunesse qui a besoin de repères et qui a besoin d'autre chose que ce qu'on leur offre. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans son écriture? Un de ces textes qui vous ont marqué, vous en tant qu'écrivain, parce que maintenant un écrivain qui lit un autre écrivain, ça doit être différent d'un... J'ai pas en mémoire, donc, parce que ça remonte quand même à quelque temps, mais la pertinence du style reste là. Et c'est très difficile quand on écrit soi-même de lire les autres, parce qu'on a toujours ce sens aigu de la critique. Moi, j'ai eu cette expérience parce que j'ai lu beaucoup d'écrivains pendant très longtemps. On pouvait tomber sur des textes où la ponctuation, par exemple, n'était pas tout à fait satisfaisante, ou où il y avait un problème de rythme dans le texte, où il pouvait y avoir des discordances dans le discours. Lui, on voyait du travail derrière le texte. Il y avait de la vie dans les textes de Hamid. Bien sûr, de la vie. Il y avait aussi plein de clins d'œil. Mm-hmm. Plein de clins d'œil. Mais il fallait peut-être revenir sur les textes pour les découvrir, parce que Hamid, les textes de Hamid gagnent à être relus. On les lit une première fois, on les absorbe, on s'en imprègne. C'est ce que j'ai fait. Et ensuite, on les reprend. Et quand on les reprend à haute voix, la lecture à haute voix se perd, alors que c'est la manière la plus, comment dire, la plus puissante, c'est la lecture à haute voix. Et à ce moment-là, c'est-à-dire celle qu'on écoute. Voilà. Et à ce moment-là, on se rend compte de la force, de la faiblesse d'un texte. Chez lui, c'était percutant, c'était tendre, c'était magnifique, quoi. C'était musical, c'était... J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à faire cet exercice. Et j'attendais toujours, parce que quand il y avait quelqu'un qui passait, où là, on avait l'impression qu'on allait avoir le bonheur de se lancer dans la lecture des autres. J'ai lu Jamal Mati, j'ai lu Hamid Green, j'ai lu et d'autres auteurs français. Là, j'avoue que j'ai été très, très, très touché par ces textes. Et voilà, donc, il faut le saluer, il faut continuer à l'aimer. C'est pour ça qu'on est là. Effectivement. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec plaisir, avec tous ceux qui se sont donné la peine de venir. Hamid a toujours adoré de réunir tout le monde, mais tout en mettant à la marge. C'est parce qu'il était modeste, il était humble. Il voulait voir en l'autre l'amour de la vie, la rencontre, etc. Mais il ne voulait jamais être au centre de la chose. Tout à fait. Et à chaque fois qu'on s'est rencontrés, c'était pareil. Je me souviens d'une soirée qu'on avait passée ensemble. C'était lui la vedette, c'était lui L'invité d'honneur. L'invité d'honneur. Et je vous assure que lorsque les uns et les autres parlaient, ils se taisaient, ils écoutaient, ils participaient, tout en avec ce souci de mettre en valeur les autres. Ça, c'est de la générosité, tout ça. Et c'est la qualité de grands écrivains. Absolument.